Ouais poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Je veux que ma mère soit. Hey Gonzalo, tu veux que je répare ta voiture? Ah t'es un bon, merci. Tu rajoutes une tonne hein, sur notre truc. Ouais c'est le. Ah c'est attends, celui, oui c'est vrai, attends. Pas... Parce que si je répare ta voiture pour me tuer, il te tue, t'as compris? Hein ouais, donc là, sur ça pied, tu vas mettre en gros, là, moi, il te rend service, il répare ta voiture, mais ouais. Si jamais c'est nous qui avons fait le moins de cocaïne, tu t'en rappelleras. Moi, je suis. Ouais, vas-y. Ouvre! Mais attends, toi, la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais un clochard, et là, tu reviens avec des voitures comme ça. L'évolution. Ouvre! Écartez-vous. Ouvre et monte, et après, descends. Ouvre et monte. Putain, déjà, il a du mal à monter. Merci gros rodard, mais tweet cabron, c'est pas possible. T'as tweet cabron. Là c'est bon. Oui, super. Évolution, mais t'es toujours aussi con. Bon, Scully, il s'agit d'un jour décédé. Ouais. Écoute. Non, tranquille. Et vraiment belle voiture, hein. Ah, merci, ouais. Gracias. On va provoquer un peu. Non, ça a l'air, on a plus de nouvelles de Lazaro. Ah, maintenant là, je fais les comptes là. Je suis venu voir un peu le stock. Bah, vas-y, viens. Ah, maintenant, parfait. Dans les trucs. Tu as une belle voiture, mais moi, il y a une budget pack, cabron. C'est vrai. Tu t'en rappelles? Tu l'as eu? C'est hier. Tu veux que je me j'ai juste à monter là-dessus. Hier, ah ouais, tu l'as gardé. Oui, il est gardé. Ricky, il est pas content. Mais quoi, je peux essayer? Non. Sinon, t'es mort. Je te suce, c'est bon. Non. Il dit celui qui le touche, il est mort. Ah bah. Final, je sais comment faire du coup. Oui, c'est vrai. Oh, 110 025. Alors? Oui. Oui, bonjour, ouais. Ici monsieur Rick Big Balls. Je connais pas votre voix, patron. Vous reconnaissez pas ma voix? Si, c'est moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Appelle-moi de comment je m'appelle? Armando, comment ça? C'est moi, c'est Ricky. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Monsieur, non, monsieur de Big Balls, il a pas votre voix. La vie de ma mère, les papiers. Bon. Les familles, on peut chier 100 000. J'ai reconnu cela au téléphone, frérot. Ça coûte combien mon truc en vrai? Celui-là il est payé 330 000. Mais il fait une affaire. En vrai de vrai, si j'en achète un, tu crois ça va me crier dessus? Non, tu peux en acheter. Moi il l'a acheté au Mosley. Il l'a acheté au Mosley 350. Attends, tu l'as vraiment acheté au Mosley? Oui, vraiment. Parce que le Camacho c'est bien, mais c'est 700 000. Attends, il y a pas de plaque d'immatriculation. La Formule 1 c'est combien? Parce que je suis tombé amoureux. La Formule 1, il sait pas, elle je l'ai volée. Attends. Quoi? Wesh, mais qu'est-ce qui. Oh merci. Qu'est-ce que tu fais? Roule. Putain, le soleil. Voir si j'ai travaillé mes appuis. Pardon, puta. J'ai travaillé mes appuis. Non, c'est pas vrai, arrête. Bon, les Armano, on reste toute la soirée au barrio à rigoler ou on fait des trucs? Ah ouais, on est. Ah, t'es pas au courant. Quoi? Family, c'est une nouvelle drogue, à ce qui paraît, ils font de l'opium, on veut les péter pour savoir. Ah, ok. Blake! Allez, Benga! Ouais. Benga de quoi? Ah, pardon. Benga! Benga de quoi? Benga! Oh là là, tu en parlais encore de ton. Oui, ton, c'est par rapport à hier. Ton Jiménez, je sais pas quoi. Oui, là. Benga. Comment ça, viens avec moi, Tyson. Monte avec moi. Grimpe. Y'a pas assez de place ici. Grimpe. Dans le coffre, tu fais. Aïe, mais t'es con quoi, fils. Je voulais pas te taquer. Bon, il vous ramène bientôt. Blake, tu m'as mentard. Comment ça, je t'ai menti? Bah si, tu m'as mentard. Mais en soi, même si je mens ou que je mens pas, en quoi ça t'intéresse? C'est un copse, non? Ah, donc tu avoues que tu m'as mentard.
Non, du tout, du tout, du tout. Bah si, on peut. Je sais que c'est un copse. Donc... Non, on a devant nous, je crois. Ok, passe-moi ton téléphone. Non. Si. Familles au... Ah, regarde, Venise, tiens, regarde-moi. Au Venise. Moi aussi. Côté leur barrio. Ah, tu... Miguel, t'arrives bah, ou pas? Attends, on est en 2016 là, qu'est-ce qui se passe? Attends, on est en train de se braquer avec Blake. Ok, tu veux la jouer comme ça? Non mais parle, viens, on discute directement. Ok, on discute directement, mais il continue à te braquer, d'accord? T'es où, Miguel? Attends, je suis pas loin. Attends, t'inquiète pas, tout va bien. Ouais. Bon, pourquoi tu m'as menti? Comment ça je t'ai menti? En gros, Blake, les gens au-dessus de nous, ils nous manipulent, tu comprends ou pas? Ok, à 3, on range nos armes en même temps parce qu'il n'arrive pas à conduire. 1. Il t'a fait confiance. 1. 2. Non, je t'ai baisé. Non, baiser. Promis. Regarde, vas-y, on fait une test de confiance. 1. 2. 3. Ok. Écoute, jamais. Ouais. Hermano. Je te regarde, hein, sur la vie de mon mercure. Oui, moi aussi, je te regarde. Les gens au-dessus de nous, ils veulent nous baiser. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, Blake. Baiser comme qui? Comme quoi? En gros, en fait, le truc c'est que je comprends pas. Toi, je sais. Je vais t'expliquer, et même toi, ça va te paraître bizarre. Mais hier, on m'a dit que t'étais sur un braquage de je sais pas quoi, de ce site. Oui. Tu dis que les gens ils te baisent au-dessus, mais en soi, tu travailles tout le temps avec les gens d'au-dessus. Non, hier aussi, ils ont failli me baiser, je te promets. Ils voulaient te baiser pour faire quoi? Ils voulaient me baiser pour pas me donner ma part. Pas me donner ma part et à la fin ils allaient me tuer. Ricky il allait me tuer et c'est Demi qui m'a protégé. Sinon il serait mort. Aïe! Aïe. Sinon, à cette heure-ci il serait mort, tu comprends? Ouais. Et là, en quoi ça te regarde? Ok, je vais t'expliquer et tu vas me. Et de toi-même, tu me diras ce que t'en penses, d'accord? Ouais. Attends, laisse-moi me garer quelque part. Derrière le Bénise. Je sais pas s'il passe ici. Oui. Ok. T'es où? Attends. Hop là. Dis-moi. Il savait que t'allais. Bon, il y a la sœur aussi alors. Ok. Escuchame. Sandro. Mmh. C'était un informateur à moi. Ouais. Il me donnait les informations. Tu vois, le jour où on a fait les enchères. Arturo, t'es où? Ouais. Il y a une chica de chez eux. Viens qui. Attends. Sierra, c'est ça? Bah, je sais pas. Mais non, c'est Sierra. Il y a une chica du groupe à Gordon et tout ça là qui a balancé au Poyos. Ok? Moi, Sandro. Il m'a montré le message que Sierra elle a envoyé et après il allait voir au gouvernement pour déchiffrer le message anonyme et pour qu'on sache qui c'est. Tu comprends ou pas? C'est Sierra qui bossait avec Gordon. Oui. D'accord. Jusqu'à là tu me suis. Donc en soi, soit c'est une vraie poucave, soit. Qui le Poyos? Non, Sierra, soit c'était une vraie poucave, soit c'est Gordon qui lui a demandé d'appeler les cops. L'un ou l'autre. D'accord. On est d'accord. Ok. Luke, merci Lucas. Oh, mais tu es trop intelligent. Tu soulèves une vraie. Oh, mais oui. Bonsoir. Mais tout est clair. Mais regarde. Ben oui, parce que. Ah, regarde, Blake. Ouais. Blake. Elle a balancé. Lui, il a dit, je vous donne 10 millions à celui qui trouve. Comme s'il était persuadé qu'on n'allait jamais trouver, d'accord? Moi, il l'ai trouvé. C'est vrai que c'est cher en soi, oui. Juste pour trouver une personne. Hein. Moi, il l'ai trouvé. Ça veut dire, il veut le voir, il lui dit, il l'ai trouvé. Il me dit d'accord, il va te passer tes 10 millions. Le lendemain, Ricky et Gordon, ils viennent me voir. Ils me disent non, on te les passera quand tu nous l'as ramené. Alors que la veille, ils m'avaient dit non, tu la ramènes pas, tu la touches pas, tu lui parles pas. Et j'ai appris qu'elle était morte, qu'il l'avait tué. La veille, tu comprends, c'est-à-dire le soir même, ils viennent le voir, ils leur disent c'est elle qui l'a truqué, ils l'ont tué, et le lendemain, ils sont venus nous voir en mode cherche-la. Ouais, mais t'étais pas là à la réunion où il a dit qu'il en avait marre des cops indiques et qu'on bosse avec les cops? Et alors? Il est fou ou quoi lui? C'est pour ça qu'il... C'est dans mon intérêt? Ouais, toi c'est dans ton intérêt, mais lui ça lui nique son intérêt. À mon avis, lui il voulait qu'il y ait des cops, qu'on perde des armes et qu'on lui fasse des nouvelles commandes d'armes. Moi, je travaille pour mon intérêt, l'intérêt de mon gang. Ça veut dire... Ouais, ça je le sais. Si lui, il veut nous baiser, eh ben qu'il nous baiser, mais sans que nous on l'aide. Et toi?
tu l'as aidé à nous baiser. Ça veut dire que toi, tu, hier, fin, quand tu as capturé Sandro, tu l'as aidé à nous mettre des bâtons dans les roues pour faire marcher son business de merde. Mais en soi, moi, dans le truc, toi, t'as perdu de l'argent vu qu'il t'avait promis au final, il t'a rien payé. Moi, il m'a payé. Non, il m'a payé, mais une partie de Ciara. Donc, en fait, toi, au final, tu t'en bats les couilles. Il y a un cop, c'est mort, mais t'as pris de l'argent. Mais oui, mais ce que tu comprends pas, Blake, espèce d'idiot, c'est que toi, ouais. Comme tu m'as dit, lui, ça lui arrange pas pour que si on se fait péter les armes, il est gagnant. Mais nous, on n'est pas gagnant, puisque nous, on rachète oui, des armes. Oui, ça. Ça, en fait. En donc, fait, toi, oui, tu l'as aidé à nous baiser. Ouais. Et tu es pas choquard. Oui, sur le moment, en soi, ça me choque qu'il essaye de nous baiser, etc. Bah oui. Mais en soi, on sait qu'on n'aura plus à... En vrai, en soi, c'est une poucave, en fait. Bah oui. Et toi, tu l'as aidé. Alors qu'il veut nous baiser. Tu comprends? Ça, en fait, c'est... Moi, personnellement, sur le moment, j'ai pas calculé, vu qu'on m'a proposé de l'argent, j'ai fait, mais en soi, oui. C'est pas bien parce qu'au final... Mais oui, mais réfléchis avec ta tête de ciboulot de merde, de cabron. Tu es con ou quoi? T'es trop dans le sentimentalisme et sur le truc que t'as attaché aux valeurs, etc. Non. Moi, si un jour je dois le baiser, je le baiserai. Oui, comme toi, mais... si un jour tu dois le baiser, non. Tu le baiseras. Non, tu l'as pas baisé, tu as baisé ton propre gang, espèce d'hijo de puto, tu comprends pas? Mais au final, moi, dans au le final, truc, quoi moi, même si, par exemple, il y avait oui eu ce truc de poucave, au final, il n'y a personne qui a perdu d'armes. Ben oui, super. Il t'a payé, et après, avec l'argent qu'il t'a donné, eh ben, tu vas lui racheter des trucs, vu qu'il nous a mis dans la merde. On avait un avantage, on l'a plus. Et du coup, maintenant, quand on va se faire niquer par les poyos parce qu'on n'aura plus d'alliés de chez eux, eh ben du coup, toi, c'est par lui que tu vas passer. Et le grand gagnant, c'est lui, puisqu'il il récupère son argent. Cabron. Après, le problème, c'est que si on veut continuer à faire du business avec eux, il faut marcher avec leurs propres règles du jeu, tu le sais très bien, Miguel. Ben oui, mais des fois, il faut savoir s'adapter, faut pas dire oui à tout, cabron. Je dis pas oui à tout. Ben si, il est venu te voir, il t'a dit bonjour, je voudrais vous baiser, est-ce que tu veux bien m'aider à vous baiser? Et toi, tu as mais dit oui. Te le dis, mais moi, je te le dis, peut-être là, sur ce coup, il a baisé. Là, a baisé, je sais juste coup, moi, je vais le baiser. Que Blake l'a aidé, j'ai la confirmation. Et donc, du coup. Tu sais très bien comment là, moi, c'est business. C'est juste ça que je voulais, hein. Ouais, ouais. Soi, c'est vrai que là c'était un gros baisage là. Parce qu'ils voulaient tous nous niquer. Combien il t'a payé pour le ramener? Je sais pas moi, 500 000 dollars, un truc comme ça. C'est beaucoup hein. Bah ça fait de la thune. Y avait qui avec lui quand tu l'as ramené? Personne, ils sont venus masquer. Moi je l'ai livré, je me suis barré. Y'avait que Ricky qui était masqué? Non, ils étaient tous masqués. Même Ricky? Ils étaient tous masqués, je leur ai ramené, ils ont fait le truc. Parce qu'à mon avis, ils voulaient, s'il y avait une embrouille, c'est les cops s'ils nous avaient suivis ou quoi. Parce que nous, moi, je leur ai dit que les cops, ils nous suivaient. Mmh. Ok. Après, en soi, moi, je te dis la vérité. Attends. Ouais, attends. Deux minutes, je finis un truc avec Miguel, j'arrive à la raquette. Vas-y. Ok. J'ai toutes les infos donc, mais après, en soi, tu le sais très bien qu'ils vont tout le temps vous baiser. Miguel, à un moment, réveille-toi. Non. Tout le monde veut te baiser. Oui, mais non, mais baiser pour baiser, ça marche pas. Tu veux me baiser pour une bonne raison, baise-moi. Mais vraiment, dans ta tête, tu as vraiment cru qu'ils allaient te passer 10 millions? Ben pourquoi tu me dis ça? Ne me dis pas. Comme ça, au moins, c'est bon. Tu comprends? Si tu me dis juste, trouvez-la et on vous passera une beretta, ok, d'accord, mais ne me promets pas 10 millions. Mais en soi, il a promis 10 millions parce qu'il savait que t'es inaccessible de base. Mais toi, en fait, t'as niqué son théorème. Vu que t'as eu accès à l'information hyper facilement, à ce qui paraît, même pas en une journée, vous l'avez eu. Oui. Donc en soi, t'as niqué son théorème et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la merde. Et avoir des cops. Ça recommence. Cops, il veut devoir le tuer, être le chef de la ville. Allez, grimpe, il te dépose. C'est Miguel, sérieusement. Hop là, c'est quand Radamel il devient Yumji là, il devient second. Pourquoi? Ah non, c'est Guerrero le second. Bah parce que la fois il m'a parlé de Guerrero, je l'ai jamais croisé. Guerrero il est discret et ténébreux. Et ça? Guerrero? Discret, ténébreux et mystérieux. Miguel, tu vas être très déçu hein. Ok. Tu vois, c'est ça ton problème là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas de crever un pneu. Putain. Pourquoi il va être déçu? Tout le monde allait se coucher. Pourquoi? Bah parce que quand le chat n'est pas là, les souris dorment. Aria? Quand le chat n'est pas là, les souris dorment. Mais c'est bon, c'est des incompétents aussi, ils peuvent pas se débrouiller tout seuls, ça m'énerve. T'as vu un peu un jour de Trivagos et tu verras. Oui, moi il y a deux trucs. Premièrement, Ricky il a tué Sandro qui était mon indique.
C'était un poyos. Okay. Mon poyos, vous vous rappelez de mon poyos ou pas? Si, ouais. Bah oui, il nous a gravé en plus. Ricky l'a tué avec l'aide des balas. Premièrement. Deuxièmement. Merde. Et t'as pas peur qu'il l'ait donné ton nom? Non, c'est pas un problème ça. Gordon? Il a quoi Gordon? De plus en plus d'hélicoptères ici, hein. C'est terrible. Tu peux pas, tu vas pas pouvoir, tu vas pas réussir, tu vas te faire du mal mentalement, et après tu vas revenir, tu vas être triste. Allez, arrête, c'est pas grave, ça va aller, t'inquiète pas. Et en plus, il y en a trop à regarder. Mais... Oui, tu peux pas, tu vas te faire du mal mentalement, tu es une cabronne. Bon, il y en a une. Ah oui, et deuxièmement, peut-être que c'est Gordon qui aurait dit à Shara de balancer, mais ça, je suis encore sur une piste. Je cherche à élucider. Tu penses que c'est ça? J'en sais rien, ça me paraît cohérent. Parce que, comme s'il avait des 10 millions en mode, de toute façon, vous allez jamais trouver, et après, il a tué. Moi, je suis au courant d'une autre histoire, d'ailleurs. Et après, pardon, et oui, et après, le lien, c'est que ils ont tué Sandro qui a balancé Shara, tu vois, comme s'il lui en voulait. C'est bizarre. Et pourquoi ils t'ont pas tué toi en premier au lieu de faire tout le tour? Parce que ici, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Attends, tu t'entends bien avec Donny? Oui, il m'entend bien, pourquoi? Bah, je vais chercher qui, mais c'est m'est venu aux oreilles qu'il aurait tué Kazo et du coup quelqu'un veut c'est qui, le tuer. Tu te souviens le mec qui travaillait au 8, qui était chauve et qui avait plusieurs personnalités là? Non. Si, tu vois c'est qui. Ben oui, tu vois qui c'est. Celui qui il avait une personnalité un peu gay, après une personnalité homme dur. Ouais. Rien. Traîner avec. Ça me dit rien. En gros, ça serait Donny qui l'aurait tué, ce serait les familistes qui l'auraient balancé, et du coup, il va mourir. Merci. Bon, je vais dormir. Tu vas dormir? Mais non, je vais pas dormir, mais tu mets le plus gros vent de ma vie là. Non, juste vraiment, je sais pas qui c'est. Vraiment, en gros, ça me dit les familles ont balancé Donny comme quoi ce serait lui qui l'aurait tué et du coup Donny l'a les emmerdes. Et du coup les familles ils veulent tuer Donny? Non, ils l'ont balancé à la personne qui veut tuer Donny. C'est qui la personne qui veut tuer Donny? Justement, j'essaye de savoir qui c'est. Ok, c'est qui le fils de Vertigo? C'est bon, il est pas là, Rio, vous pouvez me dire. C'est Arturo. Allo? Allo, Donny? Ouais, allo? Donny, faut que je te parle urgent, ça dépend de ta vie. Quoi? Pourquoi? Vraiment. Y'a des gens qui te veulent du mal. Ah, je crois que je vois de quoi tu parles. Ok, tu m'en courant, vite. Je te donne la pause dans 30 secondes. Super. Okay. Vas-y. C'est Arturo. Arrêtez de me prendre pour un con. Quoi, y'a le fils de Vertigo? Arturo, il était là quand y'avait Vertigo, c'est pas possible. Ah, c'était mon père. Le rencontrer. Ah, vous voulez pas me dire, hein? D'accord. Mais bon, Vertigo, il aurait un enfant avec qui? Nique ta mère, niquez tous vos mères, bande de faux frères de merde. Vous me faites des cachotteries à moi! À moi, vous me faites des cachotteries, hein! Mais oui, à part nos darons, il a couché avec personne, non? Ouais? Attends, il me gars. Oula! À quoi tu joues, là, Miguel? Ricky, il faut que je te vois, c'est important. Dis-moi. Mais à quoi tu joues avec ce jetpack? Comment? On va se faire griller avec ce jetpack. Mais non. J'ai dit d'arrêter. Mais non, t'inquiète pas. Hé, Ricky. Il faut que je te vois en privé. Dis-moi. On est arrivé là. 1, 2. Il y a des traîtres dans ton entourage. Ah ouais. C'est les keufs qui m'ont dit ça hier, tiens. Ils t'ont dit pareil que moi? Ouais. Et ils m'ont dit aussi que toi aussi tu jouais double jeu. Oui. Et tu m'avais déjà prévenu, là-bas de là. Oui, c'est vrai. J'arrive même plus à savoir exactement dans quel camp, Miguel. Moi, je suis dans le camp des Vagos. Très bien. Et c'est qui les traites alors dans ce cas-là? C'est pas aussi simple, Ricky. Très bien. Développe. Il veut quelque chose en échange. Tu veux quelque chose en échange. Et tu vas me faire croire que tout ce que tu vas me dire, c'est vrai. D'où oui. Est sorti. Et quand il te le dirait, même toi, tu sauras que c'est la vérité. Ça va, Demi?
Très bien. Va. Tu es toujours accroché au couilles de Ricky, ton amigo, hein. Moi, non, ben non, je viens de le rejoindre, j'étais pas avec lui depuis tout à l'heure. Il est arrivé. Je suis là, je suis là. Qu'est-ce que tu veux, Miguel? Je jure que non, je jure que non. Quoi? Mais je vais juste faire un tour. Hier il m'a fait le coup, il m'a fait le coup, c'est mort. Non. Tu l'as tiré dessus? Ben, pourquoi? Il allait partir et plus me le rendre. Il m'a fait parler hier. Il a juré, il a dit, s'il y en a un qui touche mon jetpack, il est mort. Il a juré, hein. Il me laisse plus faire, Ricky. Benjamin de l'hôpital, chef. Il va falloir que tu te positionnes, Ricky. Est-ce que tu es mon amigo ou est-ce qu'on est là que pour le business? Si on est là que pour le business, tu vas te faire enculer. Si tu es mon amigo, tu iras pas te faire enculer. Tu sais comment tu veux être mon amigo? Attends, tu te débarrasses de ce putain de jetpack. Et là, on pourra parler d'amigo. Dis-moi ce que tu veux, tu te débarrasses de jetpack et tu me donnes l'information. Il y a le garde en compensation de 500 000 $ que tu as oublié de me donner. Non, ce truc va nous faire griller notre putain de plan. Donc tu fais en sorte de t'en débarrasser si tu me dis ce que tu dois me dire. C'est pas vrai, exactement. C'est pas une thèse d'amigo, ça. Test d'amigo, je ne te baiserai pas. Est-ce que je t'ai déjà baisé, quelque part, hein? Hier, tu as failli me baiser. Tu es en train de croire, de voir des trucs bizarres. Je t'ai jamais baisé, Miguel. Hier, tu as failli me baiser. Hier. Je t'ai pas baisé, simplement que tu es allé donc en contresens. C'est Demi qui m'a pas baisé. C'est pas toi qui m'a baisé, c'est Demi. Demi m'a sauvé la vie, là. Ok, écoute, du coup, c'est Miguel, moi qui t'a baisé. Miguel, déjà, j'ai juste une question. Pourquoi tu m'as dit que je suis en danger? Il veut t'expliquer, toi aussi. Quoi? Mais d'abord, il faut qu'on arrête de se mentir. Vous faites que me mentir. Vous m'avez menti sur Ciara. Vous m'avez menti sur Sandro. Vous me mentez partout. Et vous savez. C'est qui Sandro? Et vous savez très bien. Non, pas toi, mais lui sait très bien qui c'est. Et vous savez très bien que je suis toujours au courant de tout. Il arrive toujours à tout savoir. Et malgré ça, vous continuez à me mentir. J'en ai marre. Comment il peut faire confiance à des menteurs? Comment? Pourquoi t'as menti? Dis-moi. Calme-toi, je t'ai jamais menti, Miguel. Si, tu m'as menti. Sandro, tu m'as dit que tu savais pas ce qui lui était arrivé alors que c'est très bien. Pourquoi j'aurais un objectif à te mentir, Miguel? Vous l'avez tout avec Gordon. Vous avez tout avec Sandro. Sandro Jiménez. C'est Sandro. Le poyo, arrête de me prendre. Ah, tu continues à me prendre pour un con? Tu es sûr? Hein? On ne parle pas sur des bonnes bases, comme tu veux. D'accord, moi si tu es une menteur, je serai une menteur avec toi. Si tu me dis la vérité. Concentre-toi. Sandro! On est dans scène de ménage. Je n'ai pas buté des vagos. On parle pas de vagos, on parle de pollos, cabron. De mon indique. Ah, pollos! Oui, un pollos, oui. Du coup, ouais, j'ai fumé des pollos, ouais. Oui, Sandro, pourquoi tu l'as tué? Sandro? Oui, Sandro. Une mine d'informations, il a foutu la merde avec les Autrichiens. D'autres questions? Et alors? Et il est en train d'enquêter sur nous et il a foutu la merde avec les Autrichiens. Il a du foutu coup, la il merde, c'est-à-dire de baiser. Des détails. Okay. Pourquoi tu veux savoir ces détails? Pourquoi Parce tu es en train c'était, de te... C'était mon informateur, tu l'as tué et tu savais très bien que c'était mon informateur. C'était ton informateur, donc c'était l'informateur de toute la ville, j'ai l'impression. C'était une plaque tournante, c'était la pute. Et alors? Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Oui, tant mieux pour nous. Il était sur moi, il avait toutes les informations. Et alors, il t'a pas arrêté? Et alors, du coup, il faut que je le laisse comme ça. Bah oui, c'est bien, toute une poyosse qui est dans notre camp. C'est bien, Ricky. Où t'es en train d'en arriver, là, exactement? J'ai buté un flic, et alors, si je devais le refaire, je le referais exactement. Je vois clair dans ton jeu. Tu nous niques pour après pouvoir nous niquer encore plus. Tu me prendras pas pour un con. On t'a cerné, toute la vie t'a cerné, on sait très bien comment tu marches. Et si jamais tu continues, tu verras que tu vas t'en mordre les doigts. Tu le paieras, Ricky, tu vas le payer, hein. Très bien. Ça viendra pas de moi, hein. Ça sera pas moi, Ricky. Ça sera les autres, ceux qui parlent pas, parce que moi, je te dis la vérité, moi je parle. Moi je dis. Tu m'as demandé si je l'ai buté, qu'est-ce que tu veux de plus? Quand il était demandeur, tu m'as menti, tu m'as dit non, je sais même pas qui c'est, espèce de cabron. Je sais pas, je connaissais pas son nom, mais sale menteur. Oui, j'ai tué un flic. Oui, tu m'as dit non, moi je n'ai pas toi. Pourquoi tu m'as tiré en fait? Pourquoi j'étais à te mentir? Écartez-vous si vous criez, s'il vous plaît. Je reviens. Arrête, tu fais que mentir, toute ta vie tu m'as menti, pour Sarah tu m'as menti, pour Sandro tu m'as menti, tu me mens tout le temps, toute ta vie tu me mens, y'en ai marre. Je te mens pas. Si, tu me mens, tu es une menteur. Tu es une menteur et tu attends à ce que moi je te dise la vérité. Moi, Miguel leur racontait le petit con, lui il va venir voir Ricky. Et avec les oreilles partout, il va lui donner des informations, il va tout dire. Hein, c'est comme ça. Et toi, en échange, tu vas me mentir. C'est ça, Miguel? Et pour Nero? Hein? Qu'est-ce que j'en sais pour Nero que tu l'as pas tué? Peut-être que tu m'as menti aussi. Ah, tiens, justement, Nero. Comment il s'appelle, lui? Lui, comment il s'appelle? Baisse ton arme. Dis-moi comment il s'appelle, ce cabron. Je t'avise pas de commencer à manquer de respect à tout mon entourage à chaque fois, toi, ok? Tiens, récupère cette carte postale.
Récupère cette putain de carte postale. Attendard. Décroche ton téléphone, cheveux bleus de merde, décroche. Oui, allô. Eh, commence pas. Tiens, ah, cabron. Qu'est-ce que tu fais? Cabron, j'y vais. Non, attends, attends, Ricky, attends. Hein, hijo de puto. Tu veux y te baisser ta mère, toi aussi? Hein? Tu m'as dit ton téléphone. Arrête, il parle sur le jetpack. Ricky, tu comprends pas. Tu comprends pas, Ricky, tu comprends rien. Tu commences à tirer sur mes agents, tu es à côté de la plaque, ton cabron. Tu me prends pour un con, tu crois que je suis le dernier des fils de pute? Et voilà, et voilà, il y a les poyos, et voilà, il y a les poyos. Tu comprendras plus tard, Ricky. Ce que j'ai fait, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Ton collègue, c'est une cabron. Il va te baiser. Ah merde, la carte postale. Fausse alerte. J'ai mal. Vous êtes sûr, fausse alerte, c'est bon? Il est tiré, hein? Oui, Demi. Oh. Mais pourquoi tu m'as dit que j'étais dans la merde? Je vais te raconter après. Ok, ça... vas-y. Les poyos, tu l'as tiré dessus ou pas? Ils vous embêtent ou pas? Non, non, c'est... ils te cherchent toi plutôt. Pourquoi? Bah, parce que t'as tiré. C'est lui, c'est Ricky qui a tiré, c'est pas moi. Bah, là, il croit que c'est toi. Ah, bah, super. Ok, bon, il me casse. Eh, hey, le chauffeur, méfiez-vous de lui. Pourquoi? Méfiez-vous de lui. La carte postale, putain. Ah putain, mais c'est vrai qu'il faut pas que je... Et wesh, arrête! Je contrôle plus. J'en ai marre. Ricky! Bonsoir, bonsoir mes peurs. Il faut que. Les poyos, ils t'embêtent? T'as un mot à dire, Yevin, il a tiré dessus. Non, 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 tu fais rien du tout. C'est bon, t'as assez foutu la merde comme ça. Non, ça va aller, messieurs. Non, c'est simplement une histoire. rien de spécial. Voilà, c'était. Y arrive, je vais tirer. Plus malin. Aïe. Mais c'est pas vrai, il est pas tiré! Décoller. Il est pas tiré, mais il est pas tiré. Vous êtes fous ou quoi? Tire pas, Miguel. Descendez. Mais il est pas tiré. On va abattre le jetpack, hein, descendez. C'est mon dieu. Mais il est fou. Non, lui, je vais tirer dessus parce que c'est lui qui avait reconnu la voix au téléphone. Qui était en mode non, vous avez pas cette voix. Ok, ça va être ma cachette du jetpack.
Il a dit ah. Oh mon dieu. Ah. Non mais je suis dans la merde. Je vous l'ai dit, Miguel il devient fou. Aïe. Arrête. Non, je m'envole. Je m'envole. Qu'est-ce qui lui arrive? Les gars, je comprends plus rien. Adieu petit jetpack. Adieu. C'est la fin de mon histoire. Je pouvais plus rien faire, il voulait plus contrôler. Oh merde. Lève tes mains toi, cabron. Bouge pas, bouge pas, bouge. Tu veux pas lever tes mains, hijo de puto? Hein? C'est une guet-apens? C'est une guet-apens? Hein? C'est ça? Tu veux me faire une piège? Rangez vos armes! A l'aide les wagons, il me fait braquer! Arrête de train! Recule! Baisse ton arme ou je tire! Il te prévient! Je suis tout seul, je peux venir. Il veut tirer, hein! Il veut tirer! Baisse ton arme! Si tu tires, on tire. Il n'y aura pas de discussion. Écoute! Tu baisses ton arme et on discute! Baisse ton arme et on discute! Baisse ton arme toi et on discute! Baisse ton arme toi et on discute! Je jure que je vais tirer! Je te jure, hein! Baisse ton arme! Dernier appel! Dernier appel! Baisse! Dernier appel! Tu baisses l'arme, tu es tout seul! On n'est plus que toi et moi! Lève les mains! Avance vers moi! Tu avances vers moi! J'avance vers toi. Range ton arme! Non, range ton arme aussi, on discute! Pas de geste brusque ou je te tue! Je vais pas tirer, arrête d'avoir peur! Pourquoi tu m'as fait une guet-apens? Pourquoi? Mais sur la vie de ma mère, je t'ai pas fait de guet-apens. Si, si, si. Deux cabrons masqués avec des armes qui voulaient me niquer. Tu me prends pour un con? Hein? Écoute, sur la Santa Maria, il n'y avait pas de guet-apens. Alors c'est pourquoi il y a des mecs masqués? Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que tu saches qui je suis. Tu vas retirer ton masque? T'as tiré. Non, je ne retire pas mon masque. Tu veux baisser l'audio? Moi, je suis une vagos. Écoute-moi, t'as vu? Laisse-moi parler, baisse ton arme. Non, il baisse pas mon arme. Ah, c'est comme ça alors? Oui, c'est comme ça. Comment on fait? Tu crois que tu vas tuer l'Orio comme ça? Hein, cabron? Je voulais tuer l'Orio. Je le sais, on me l'a dit. Non, 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 ta main est formée, hermano.
Qu'est-ce que tu veux alors? Baisse ton arme, on discute. Non, il baisse pas, on discute avec mon arme dans les mains. Je suis tendu ce soir. Tu es un peu trop tendu, tu as oui. tué deux hommes à moi. Oui, et il va te tuer toi aussi. Pourquoi tu vas me tuer moi? Parce qu'il connaît pas ses intentions. Mes intentions? Oui. J'ai une question. On t'a vu atterrir en parachute, si j'aurais voulu te faire un guet-apens, on t'aurait braqué depuis tout à l'heure. Oui, oui, ton hermano, ce qu'il voulait faire, c'était me braquer. Sur la Santa Maria, que non, c'était pas du tout dans les plans. Eh ben, fallait pas venir masquer avec des armes en main. Ben, je suis obligé. Non, t'es pas obligé. Reculez, je veux que personne approche. Armano, je suis sur les nerfs, hein. Ouais, mais c'est toi, là. C'est toi, t'es sur les nerfs. Si quelqu'un m'approche, je le tue. Ben oui, je sais. C'est pour ça que je leur ai dit de reculer. Par contre, si tu me tues... Qu'est-ce que tu veux? T'es au courant de l'histoire de Laurie ou pas? Il m'aurait tué depuis longtemps. C'est ton réfé, peut-être. Quelle histoire? Évite de me mettre en joue, s'il te plaît. Je te garde en joue. Écoute-moi. Je t'écoute. Non, je veux pas que tu sois en joue parce que t'as l'air un peu fébrile. Ok, oui, je suis nervé. Ok, claro. T'es au courant de comment Lorio a pris le pouvoir? Comment il l'a pris? Lorio, quand il y avait Vertugo, qui était son meilleur ami? C'est rien. Ah, t'en sais rien. C'est ton jefe pourtant, et t'en sais rien. C'est rien. Attention, pas de gestes brusques. Bref, écoute-moi. Moi, je vais te dire un truc. Si j'aurais voulu t'abattre... Si j'avais voulu t'abattre, je t'aurais abattu. C'est pas mon but. C'est quoi ton but alors? Moi, mon but, c'est de rétablir la vérité. C'est quoi la vérité? Je veux savoir pourquoi Lorio, c'était le meilleur ami de Matt. Tu m'entends? Oui. Pourquoi Lorio, c'était le meilleur ami de Matt? Lorio a déjà essayé de buter Vertugo. Oui. Et ensuite, après ça, Vertugo se fait tuer par qui? C'est rien. Vas-y, dis-moi par qui. Je sais pas. Ah, tu sais pas par qui? Non. Ah. Tu sais pas par qui? Non, il sait pas par qui. Par les bikers. Et qui était le meilleur ami de Lorio? Biker? C'est pas moi. Les bikers. Ok. Et donc toi, ça te fait rien que c'est ton jefe. Donc tu veux venger? Je veux venger personne. Je veux juste connaître la vérité. Ça n'a aucun sens ton histoire. Si, ça a tout un sens. Non, ça n'a pas de sens ton histoire. C'est juste que tu es venu un peu trop. Tu es le fils mystère de Vertugo qui arrive et qui veut connaître la vérité sur la mort de son père qu'il a jamais connu. Arrête de me prendre pour un con, tu es une menteur. Comment ça, je l'ai jamais connu? Pourquoi je l'aurais jamais connu? Vertugo, il avait des enfants, mais il s'en battait les cojones. Arrête de mentir, cabron. Bah, peut-être. J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit que j'étais le fils de la femme qu'il aimait. Mon histoire, elle est fumeuse. Et si je te ramène au barrio, ils vont te boutard. Miguel, tu m'écoutes? Oui. 95% du barrio me suit. 95%, hein? Tu fais pas... Et dis-toi que toi, tu prends 4% et il reste l'Orio. Ils te suivent dans quoi exactement, cabron? Après, eux, je sais pas le problème qu'ils ont. Ils te suivent dans quoi, cabron? Ben parce que eux, ils en ont marre de leur jefe. Donc, c'est une putsch. D'après ce que je comprends, mais moi, dans tous les cas, moi, je veux jamais reprendre des vagos. Et Dieu m'en soit témoin, la Santa Maria en est témoin, je veux pas reprendre des vagos. Loin de moi, cette histoire. Donc, tu veux venir juste pour foutre la merde? Hein, c'est ça que tu veux? Tu veux arriver? Non. Je suis le fils de Vertugo. Hé, hey, les vagos, écoutez-moi. Écoutez-moi, venez, on va niquer l'Orio. Juste pour rien. Écoute-moi. Écoute-moi, Miguel. Tu crois qu'ils ont besoin de toi, les vagos? Radamel Ugueros, il va être refait, ils ont pas besoin de toi, cabron, hein? Miguel.
Ils ont des problèmes avec le Rio avant que j'arrive. Ok, et alors? C'est pas moi qui a foutu la merde. Donne-moi une raison de pas te tuer ici, maintenant. De pas me tuer ici, maintenant? Oui. Tu veux quoi? Une raison de pas te tuer ici, maintenant. Et pourquoi tu voudrais me tuer ici, maintenant? Parce que tu veux niquer mon jefe, cabron. Et je sais même pas la vérité, si jamais c'est vrai pour les autres. Écoute, la raison pour que je reste en vie. Oui? Sa mère, j'avais pas pensé à ce cas de figure. Moi non plus. J'avais vraiment pas pensé à ce cas de figure. Aujourd'hui, j'ai reçu un message, j'allais aller pour dormir. Et je me suis dit, je vais aller le voir. Et si j'aurais su que t'aurais abattu deux hommes... S'il y avait su. Ah, désolé, je suis pas parti longtemps à l'école. Écoute, tes deux hommes, ils viennent. Ils essaient de me braquer, je tue, tu as compris ou pas? Écoute-moi, Miguel. Ils ont voulu me braquer. Santa Maria, écoute-moi, Miguel. L'autre, il m'a dit, baisse ton arme, il me braquait avec son pistolet. Qui? Lequel? Le premier ou le deuxième? Le premier. Ah, le premier. Bah, c'est normal, on sait pas avec qui tu viens, à combien tu viens. Oui, non mais c'est pour ça, moi je tue. Écoute, Miguel, laisse faire le tour. Tu as même pas de cojones, tu viens avec un masque, cabron. Bah bien sûr que je vais avec un masque. Tu es une puta. Si tu veux. Tu es une puta et tu penses que tu peux vaincre les Vagos? Je suis pas là pour vaincre les Vagos. Vaincre le jefe des Vagos, c'est vaincre les Vagos, cabron. Écoute-moi, Miguel. Crois-moi que si j'aurais voulu tout niquer, j'aurais tout niqué. C'est pas ce que j'ai voulu. Je vous ai dit de rester à votre place, la chatte à vos mères. Il ment. Non, y'a personne qui arrive. Ah ah. C'est un menteur. Ils sont venus avec une voiture. T'es tout seul? Ben oui, je suis tout seul. Ah, fouille. Oh là là, le panneau. On change pas d'homme, hein. Armando, il m'arrive que des dégris. Oui, bah moi aussi, qu'est-ce qui se passe? Il tirait sur le commandant avec la K-47. Ok, ensuite? Il y a Aubrey, il est venu, il me dit que c'est le fils de Vertugo et qu'il veut faire une putsch. Qui? Le fils de Vertugo. Il veut se spooch, t'as dit? Il veut faire une putsch. Putsch? Une putsch. C'est quoi une putsch? Output, c'est une prise de pouvoir! Au quartier? Au barrio? Oui, apparemment, 95% du barrio, ils sont avec lui. Il m'a dit, il y a que toi et l'Orio qui n'êtes pas encore avec lui. Mais toi, t'es pas un traître, toi, l'Orio, c'est le pouvoir de la mission. Mais bien sûr! Mais bien, il a tué deux de ses hermanos! Il les a tués! Si tu veux faire une rébellion contre eux, si tu veux protéger l'Orio, tu m'appelles. Moi, je l'aime bien, l'Orio, c'est un bon. Moi aussi, hermano, ils ont voulu me faire une guet-apens, il y en a tué un. Après, il y en a tué deux et il était en tête-tête avec l'autre, il a pris la fuite. Ok. Moi je suis de ton côté, t'es mon pote, je t'aiderai. Armano. Maintenant dis-moi pourquoi je suis en danger. Ah merde, attends que je me rappelle. C'est les familles qui ont balancé à quelqu'un pour... Merde, qui m'a dit ça déjà? Merde, attends, ça va me revenir. C'est les familles, ils ont balancé... Les familles pour Caso. T'as dit un truc, Caso? Ouais. Bah en gros, apparemment... Enfin bref, tu connais cette histoire? Les gens à qui tu aurais fait du mal, eh ben ils veulent te faire non. Du mal maintenant. J'ai fait du mal à personne. Tu vas pas tuer Caso? Non. Eh ben on veut te mettre le crime de Caso sur le dos. Et apparemment ça serait les familles qui auraient dit ça, je crois. Ah, ok. Ouais, et, bon. Tu vois? Et du coup... En fait, c'est eux qui ont tué Caso, ils essaient de mettre ça sur mon oui, dos. Et en gros, l'équipe à Caso, je sais pas qui c'est, ils veulent te tuer maintenant. Ah bon? Oui. Ah. C'est qui c'est, Caso? Ouais, c'est la plus belle calvitie de Los Santos. Putain. Attends, il essaie d'appeler... Il y a son à Bernabéu, un peu. Bernabéu? T'as pas une AK-47 pour moi? Non, il y en a qu'une. Putain.
Il est où ton jetpack? Il est cassé. Let's go! Hermano, il est resté bloqué, il volait, il voulait pas s'arrêter, je suis monté, il arrivait plus à respirer, il était en haute atmosphère. Oh, t'étais sur, oui, t'étais sur la lune, fils de pute. Non, non, pas vraiment, mais il était vraiment, je suis monté haut, il arrivait plus à contrôler, il voulait plus redescendre. Il est sauté. Putain. Après, il sautait en parachute, il y a des mecs qui ont voulu me braquer, là, les mecs de trucs. Piou, piou! Comme ça, tac, tac. Reculez, reculez, piou! Et là, Alors, tu es qui? Il m'arrive que des dingueries. Moi, j'ai une question. Regarde. Viens, c'est Donald. Merci, Daniel. Moi, je t'aide pour les gars du barrio. Si t'as besoin d'aide, tu m'appelles. Je te jure que je te protégerai. Même si vous êtes deux contre 15. Oh, il va aller à l'hôpital. Il faut que... Attends, j'ai une autre question. Oui, monte. Pourquoi tu vas à l'hôpital? Mais pourquoi il est tiré dessus? C'est logique. Ok, bah viens. Est-ce que tu connais bien Mason? Oui. Il t'a parlé de certaines choses bizarres qu'il a fait peut-être dernièrement? Certaines choses bizarres avec des chicas? Non, avec ses potes là. Ses potes? C'est qui ses potes, non? Tu pourquoi sais, Wesley, tout ça, tonton. Non, pourquoi? Est-ce que Mason, il a un endroit où il se cache ou quoi? Pourquoi tu veux le tuer? Non, pas du tout. Mais on m'a volé en fait. On m'a volé des choses, Miguel. T'as volé quoi? On m'a volé mon argent. Quel argent? J'avais de l'argent, il y a des gens qui me l'ont volé. C'est Wesley qui te l'a volé? Je sais pas. Emilio, il dit que c'est lui. Combien? Au moins 20 millions. Eh oui, on t'a volé comme tu as volé le œuf à ton père. C'est pas mon père l'œuf. Mon père veut voler. Si tu m'aides à retrouver ces 20 millions, moi je te donne une part. Y'a les poyos. Attends, mais pourquoi y'a les poyos? Y'a qui à l'intérieur? Ok. Il y avait des gens à l'intérieur. Il faut que je me change. Mais pourquoi? Y'a qui à l'intérieur? Pourquoi y'a tout ça? Je sais pas, mais moi... Ah, le commandant, tu l'as touché? Mais il est tué, oui, enfin, il est mis... Oui, ah, il est touché, bien. Quoi? Ah oui, c'est pour ça. Mais moi, je croyais que tu l'avais juste tiré dessus, genre. Ah non, il est arrivé, il a monté une échelle, il s'est retrouvé face à face avec moi. Il est allumé. Par favor, les poyos. Ouais. Je vais jouer carte sur le table avec vous, d'accord? Mais vraiment, je suis désolé et j'espère que vous prendrez en compte le fait que je dise la vérité pour être plus tendre avec moi. Hein? D'accord? En gros, cette voiture, je l'ai trouvée au parking central. Et j'aimerais bien la rendre au propriétaire, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire qui c'est avec la plaque, peut-être? Ah, bougez pas, je veux dire. S'il vous plaît. Pardon, je vais vraiment lui rendre. Hop. Vous voulez pas plutôt nous la laisser et qu'on convoque le ouais, non, parce que je tiens à m'excuser en personne auprès de lui. C'est monsieur Arturo Herrera. Arturo quoi? Herrera. Arturo, d'accord, merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Monsieur. Attention à vous. Pourquoi? Ouais, voilà, c'est notre chef. Au revoir. C'est Zipper? Arturo. C'est qui est au barrio? C'est qui? Arturo. Y arrive, hermano. Ça va, hermano? Mais tu fais quoi avec cette cochère? Hijo de puto, hein? Viens ici, cabron. Viens là, ta mère. Je vais te niquer ta mère. Monte dans la voiture, dépêche-toi. J'ai fait quoi? Dépêche-toi, monte dans la voiture. Ouais. Dépêche-toi. Rapido. Pourquoi tu me breaks? La radio, tu me donnes. Ouais, tiens. Téléphone. Toi, une arme. Viens à côté de moi, grimpe à côté de moi. Passe à côté de moi, dépêche-toi. T'as une arme? Pourquoi tu me breaks? Mets la arme dans la boîte à gants, dépêche-toi. Ouais, c'est bon. T'as rien à me dire? Mais pourquoi t'es avec ma coachée? Ah, pourquoi je suis avec ta coachée, hein? Qui a pris ta coachée? J'en sais rien. Dernièrement, réfléchis bien. J'en sais rien. Réfléchis bien. J'étais en train de regarder pour... Pour? Pour mon garage. Oui. Et quand je prenais des photos, il y a
un mec qui est sorti avec une cagoule, il a pris la oui, bien sûr. Je te jure que c'est vrai. Sur la Santa Maria, c'est vrai. Bien sûr. Va au bord de la mer, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ouais. Tu me prends pour un con? Mais explique-moi. Il y a des hombres, ils sont venus me voir. Regarde-moi. Des hombres, ils sont venus me voir avec le fils de Vertugo soi-disant. Ils ont essayé de me kidnapper et de me braquer pour me faire du mal. Ils m'ont dit c'est que... C'est quoi ta gueule. Il m'a dit 95% du barrio, ils étaient au courant. Et les 2% qui... Les 5% qui restaient, c'était moi et Lorio. Ne me prends pas pour un con. Je te jure que j'étais pas au courant. Ne me prends pas pour un con. C'est quoi la vérité? Dis-moi. Tu veux niquer Lorio? Hermano, si je voulais le niquer Lorio, je l'aurais fait déjà. Vous êtes en train de le faire. Des réunions secrètes, plein de trucs. Arrête de me prendre pour un con. Si vous voulez. Si... Sur la Santa Maria, que dans les 5%, je suis aussi là. Si vous voulez, niquer Lorio, pourquoi je suis pas avec vous, hein? Pourquoi vous ne me le dites pas? Mais pourquoi ils voudraient niquer Lorio? Arrête de mentir, et ils sont arrivés avec cette voiture, comme par hasard, tu es pas au courant? Miguel, je l'ai cherché toute la soirée. Ta carte SIM, dépêche-toi! Tiens, prends-la. Attention à ce que tu fais, hein? Je te la donne. Ok, recule. Bouge pas. J'espère pour toi que tu mens pas. Hermano, je te promets que je mens pas. Ah mais lui frère. Parle jamais en message, wesh. C'est qui le dernier numéro que tu as envoyé le message? C'est pour une moto. C'est le concessionnaire moto. J'attendais qu'il me donne le rendez-vous pour aller acheter une bécane. Putain, il devient fou Arturo. Hermano, je comprends pas. Arturo, il y a des gens qui veulent s'en prendre à Lorio. Mais pourquoi il... Le fils de Vertugo, il m'a dit 95% du barrio, ils sont au courant. Bah moi, je le suis pas, hermano. Et pourquoi ils sont venus avec ta voiture? C'est quoi cette mire? C'est demi. Okay. Je te jure que... C'est vrai que j'ai l'impression que je te prends pour un con. Ça, je comprends. Mais je te promets qu'on... Oh, c'est lui le traître! Non, c'est pas vraiment lui. Il sait pas, demi, il se comprend rien. C'est un traître, lui, c'est un traître. Raconte-moi, s'il te plaît, raconte-moi. En gros, il y a le fils de Vertugo, il m'a envoyé une position. Il était avec c'est deux... C'est vrai, déjà, cette histoire? Oui. Il y avait trois hombres, le fils de Vertugo et deux hommes. Il y en est tous les deux. Il est braqué le fils de Vertugo, il est parlé avec lui, il m'a dit 95% du barrio, ils sont au courant, Lorio c'est une bonne à rien, on va le tuer pour que ce soit les autres qui prennent le pouvoir. Hermano, tu te rappelles de ce qu'il nous a dit Lorio hier encore? Il nous a dit quoi hier encore? Qu'il faisait de la merde et qu'il allait se reprendre la main. Ah oui, c'est vrai. Écoute-moi bien, tu ouvres un peu trop ta gueule. Non mais c'est... Espèce de traître, on va te buter. Ça fait un petit moment qu'on te voit au barrio. Tu es pas blessard, toi? Non. Non, mais lui. Arturo. On s'en fout de sa santé à lui. C'est non, un mais si, pour qu'il ait tiré dessus. Non, je suis pas trop blessard, toi. Toi, t'es un putain de traître, t'as voulu trahir Lorio. Et tu vas pas nous la mettre à l'envers. Mais la chica, elle m'a dit, y'a que des poyos qui sont arrivés à l'hôpital blessés par balle. Pourquoi ce serait des poyos qui voudraient faire ça? Parce que les poyos. Ils sont malins, ils veulent faire tomber le chef. C'est de la manipulation. Quoi? Ok, c'est un camion. Écoute. Maintenant, si tu parles, ou tu meurs. Hermano, j'ai rien à te dire. Donc,
Franchement, tire-moi dessus maintenant, je peux... Torture-moi, fais ce que tu as à faire. Je peux rien te dire, je sais rien. Je suis dans la même situation que vous et je pense que c'est encore pire que ça. Ok. 1, 2, 3. Ça t'amuse ben des fois de faire ça. Oh, c'est la merde. T'y as cru? Ah, bien sûr que j'y ai cru. Bref, et avec cette coachée, il est arrivé quoi là? Parce que moi, je... Ils sont venus avec cette coachée, cabron. Ah, y'a un Poyos qui m'a déposé ici. Je vais vous faire cramer. Tu as le numéro de Radamel? Arturo! Ouais, attends, je dois l'avoir. Je vais te le donner. Pourquoi Radamel, il aurait voulu... 40-42. Radamel, il m'avait parlé de ça, mais pourquoi il aurait voulu me faire du mal? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas le moment, cabron. On va t'approcher. Aïe! Y'a avec qui ce soir? Ils étaient où les autres? J'étais avec Luis, y'avait Bipas, j'ai vu Radamel aussi, y'avait Guero. Ramp. Guero il est parti un peu derrière, un peu plus tôt que les autres. Et mis à part ça, je sais pas trop ce qu'ils sont partis faire. Hein. Comment un homme armé, cagoulé, il peut rentrer dans le barrio et te voler ta voiture sans que personne ne dise rien? J'étais pas barrio, j'étais vers le taco. Tu m'as dit que tu avais quelqu'un rentrer et te voler ta voiture? Non, en fait j'étais en train de prendre des photos pour le garage. À côté du taco. Donc oui. J'avais le dos tourné et je me suis retourné. Il m'a dit si tu bouges, je vais te tirer dessus, je sais pas quoi. Il est parti direct. J'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Régale-toi, son bon. Ah merde, pardon. C'est encore flou, je sais pas ce qui m'est arrivé. Vous avez fait quoi juste? Allez. Oh, le commandant, il m'a répondu. C'est ça? C'est encore flou? Va à la pause que je t'ai donnée. D'accord. Le commandant m'a répondu. Mais t'as dit quoi? Ça ne rappelle plus. Je sais pas ce qui m'est arrivé, vous avez fait quoi au juste? Parfait! Bah c'est bon, t'es pas dans non, la. Non, il veut lui dire la vérité, il veut lui dire la vérité. Laisse-moi conduire pendant que tu utilises le téléphone. Il sait ce que je veux dire. C'est qui la positionne là-bas? Un gars que tu kiffes. Allô, commandante? Allô? Oui, commandante, ça va? Vous allez bien? Ça pourrait aller mieux pour le coup. Pardon! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est moi qui vous ai tiré dessus! Pourquoi vous m'avez tiré dessus? Mais je vous jure que j'ai confondu! Je pensais pas que c'était vous! Je vous promets! À gauche! Arman... Je peux pas me souvenir de tout ce qui est arrivé de toute façon. Armano, escuchame. Il était en train de me faire poursuivre, d'accord? Et vous êtes venu là où il était. Et il me suis retourné, il a tiré. Avec mon pistolet, mais je vous promets, je pensais pas que c'était vous. Il y avait des Armano qui voulaient me... Des hombres qui voulaient me tuer, c'était de la légitime défense. Monsieur, quand on fait de la légitime défense, c'est qu'on tire sur les bonnes personnes. Oui, pardon, je suis vraiment désolé. Après, si vous voulez qu'on se voit pour que je vous expliquerai, d'accord? Wouhou, il y a une soirée. Je mets un petit peu les idées en place, pour l'instant c'est encore flou. Oui, prenez votre temps, hermano. Bon courage. Désolé, vraiment désolé. Pas de problème, monsieur. Bonsoir. Oula. Ariki, c'est la merde. De A à Z. Si, de A à Z, partout. Dans tous à les coins. De quoi, du jetpack du coup? J'en ai marre, il fait que des bêtises. Qu'est-ce que t'as fait encore? J'en ai marre, il veut me suicider. Non, pas te suicider. D'ailleurs, ça m'arrangerait. Tu vas garder la vie, d'accord? Écoute, tu fais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il m'arrive trop de trucs, Ricky. Et pourquoi il m'arrive des trucs?
Je sais pas, le sort s'acharne sur moi. Non. C'est pas le sort qui s'acharne sur toi, c'est toi qui es en train de foutre de la merde. Et du coup, tu récupères les pots cassés, tout simplement. Qu'est-ce que t'as fait? Déjà, le commandant, il m'a poursuivi pendant qu'il y avait le jetpack. Oui. Il est monté sur un toit, il a pris l'échelle, moi j'ai eu peur, il lui a tiré dessus avec une AK-47. Pourquoi t'as sorti une putain d'AK-47? Je l'avais dans les mains, il avait peur. Mon dieu. Premièrement, et deuxièmement, hermano, il y a le fils de Vertugo, je sais pas trop quoi. Tu comprends rien. Quoi? Tu connais Vertugo? J'entends lui parler dans les journaux, c'est tout. L'ancien préfet des Vagos, le fils de Vertugo. Il m'envoie un message. Il me dit oui, je veux te parler. Moi je viens. Il était en jetpack. Mon jetpack, j'ai perdu le contrôle. Il s'est envolé. Je suis allé en atmosphère. Ah. Il est perdu. Du coup, le jetpack est... Oui. Est mort. Oui, Ouais. Super, c'est bien. Désolé. Non, désolé. Continue. Je suis désolé pour le jetpack. Je suis vraiment désolé. Et bref, il descend en parachute, il y a un ombré. Ils étaient trois. Il y a une première ombré, il vient vers moi, cagoulé, masqué, armé, il me braque. Il me dit, ah, baisse ton arme, moi il est panicard, il lui est tiré dessus. Il y a une autre ombré, il est arrivé. Ils étaient deux en face de moi en train de me braquer, moi il gardait mes distances. Il est tiré sur l'autre. Il est resté que le fils de Vertugo en face de moi. On était en train de se braquer mutuellement, on s'est parlé. Il m'a dit que... Les gens au barrio, ils en avaient marre de l'Orio et qu'il y avait 95% du barrio qui était avec lui déjà. Et que les 5% qui restaient, c'était l'Orio et moi. Et qu'en gros, ils voulaient la mettre à l'envers à l'Orio. Alors, tu sais ce que t'as dit de reste à faire, petit? Mais bien sûr, mais je connais pas mes ennemis. Mes ennemis, c'est peut-être mes amigos, mais peut-être pas. Peut-être qu'il a dit ça pour me mentir et pour foutre la merde. Je comprends rien. Écoute, Miguel, c'est le moment de prendre le contrôle sur ta vie, d'accord? Maintenant, ils t'ont considéré comme un petit. Maintenant, il va falloir grandir. C'est toi le grand. Oui, mais il y a plus d'amis. Tu comprends? Ils me l'ont même pas dit. Ils m'ont même pas dit oui, l'Orio. L'Orio, il est où, l'Orio? Je sais pas. Il a une rage dedans. Il a une rage dedans. Très bien. Alors, tu montes une petite équipe et tu fais en sorte de récupérer cet homme. Comment tu l'appelles? Fils de Vertugo? Il était en face de moi, hermano. Il n'y a pas eu les cojones. Pas eu les coronets. Qu'est-ce qui s'est passé au moment, hein? T'as bien eu les coronets de me braquer moi, hein? Mais oui, il le braquait, mais il parlait à la radio, il disait non, reculez les gars, reculez. Il a mis une balle dans la jambe et je suis parti. Alors pourquoi tu l'as fait pas comme Miguel l'aurait fait, en vicieux, désolé, etc. Fais jamais ça, Miguel, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas vrai. Tu es très intelligent, tu arrives à rentrer dans la tête de tes hermanos, comme tu les appelles. Oh, que si. Je suis honnête et sincère tout le temps. Tu es vicieux, Miguel. Non, c'est pas vrai. Si tu le sais pas. Si. C'est pas vrai. Ah. Et tu penses pas que c'est le moment de changer? Non. Miguel, tu m'as parlé de suicide il y a 2 minutes. Et ça, c'est Miguel? Non, c'est pas. Ça, tu prétends que c'est toi? C'est pas Miguel, mais à force, il commence à me dire que peut-être ce monde n'est pas fait pour moi, tu comprends? Non. Ce monde n'est pas fait. C'est les autres qui doivent t'adapter à ton monde, à toi. S'adapter. Écoute, peut-être qu'il me dit que ce monde, il a perdu toutes ses valeurs et que moi. Je suis peut-être trop old school. Je suis peut-être trop attaché aux valeurs de l'amitié que maintenant tout le monde se baisse, tout le monde se trahit. T'as raison. Lève-toi, je vais te faire voir c'est quoi l'amitié. Ramène-toi. Lève-toi, petit. Non. Lève-toi. Tu vas me frapper. Lève-toi. Non, je vais pas te frapper. Tu vas tuer Nero. Je vais juste te mettre une grosse gifle pour que tu comprennes à quel point l'amitié, on en a rien à foutre. Je viens de te l'expliquer depuis combien de temps, Miguel? Hein? Ça fait combien de temps que je suis en train de te dire qu'on en a rien à foutre? Ah oui, c'est pour ça. Il y a Los Santos ici, ok. Il n'y a pas de place dans ce monde. Si tu as ta place. C'est un monde mais de poteau. Tu vas la récupérer. Eh, très bien, c'est un monde de poteau. Et alors, du coup, tu vas t'envoyer en l'air parce que c'est un monde de poteau. C'est ça que tu veux? Réfléchis 2 minutes. Non, moi, ce que je veux, c'est que les gens ils se rendent compte des valeurs de l'amitié. Ah oui? Tu veux me faire le générique de Pokémon encore une fois, Miguel? Va falloir que tu grandisses. C'est pas le monde des bisounours ici. Et tu le sais très bien autant que moi. Tu es assez intelligent pour le comprendre. Du coup, maintenant tu vas récupérer tes couilles ou ce qui va t'en rester. Tu vas remonter dans ton truc et tu vas montrer qui est le patron. Parce que tu vas pas rester comme une petite merde. Mais je suis pas le patron, c'est pas vrai. Tu es le patron de toi-même, tu es le patron de toi-même. Oui, mais je suis le patron des gens qui veulent tout le temps se baiser. Et du coup,
il faut que tu abandonnes parce que les gens... tout le monde se baise. C'est normal, t'es en Amérique. Tu te croyais où exactement? Tout le monde se baise ici, c'est comme ça qu'on survit. Sinon, à la limite, comme je t'ai expliqué, tu vas... je sais pas. Tu retournes au Mexique. T'étais bien là-bas, non? Mais non, je suis jamais... j'ai toujours grandi en Amérique, hein. T'as grandi en Amérique, t'as un accent. Oui. Ok. C'est parce qu'il traîne tout le temps au barrio. D'accord, très bien. Alors maintenant, il va falloir que tu te reprennes. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas quoi faire. Mes ennemis sont peut-être mes amis. C'est dur. Ok. On va imaginer quelque chose d'autre. Oui. Si t'étais un enculé, qu'est-ce que t'aurais fait à l'heure actuelle? Imaginons que t'es un enculé. Qu'est-ce que tu aurais fait? Ben, il va au barrio et il le tue tous. Non, pas tous. Sinon, il n'y a personne pour t'obéir, tu comprends? Mais il n'y a personne qui m'obéit, tu comprends? Mais justement, il faut imposer le respect. Si personne ne t'écoute, tu en places un qui est important pour eux, et boum! Et je leur dis, c'est moi le patron. Ça marche pas comme ça, la vie. Ah ouais? Tu n'as pas d'amigo, tu crois qu'il va prendre un exemple sur toi? Ouais, mais pour l'instant, je suis assis sur un putain de trône en or. Il m'en fout, putain de trône. Ouais. Il veut pas le trône, moi. Moi, j'ai pas des envies de suicide, tu comprends? Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. Tu vas prendre. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est sur mon cul que je suis assis. Ouais. Mais... putain, t'es philosophe. T'as l'air de philosophe. Regarde ce que tu vas faire, tu vas remonter. Moi, il veut pas un trône, il veut une canapé pour qu'on soit tous assis avec mes amigos et qu'on regarde la télé et qu'on rigole. Ouais, ça, c'est dans un monde idéal. Tu dis idéaliste tout le monde. Utopie. Une utopie, exactement. Mais malheureusement, ça n'existe pas, tu comprends? Ça n'existe pas. On va le faire ailleurs, pas en Amérique. Tout le monde essaiera de t'écraser dans tous les cas. Pense comme t'as envie. Fais le tour comme t'as envie. Tout le monde essaiera de t'écraser. Si tu commences à prendre trop de pouvoir, les gens vont essayer de te... mais il veut pas de pouvoir. Moi, il veut pas le pouvoir. Moi, il veut juste rester tranquille avec mes amigos et m'amuser. T'amuser? Il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur le commandant et d'essayer de jouer avec des rivaux. Ah, non, tu peux pas. La carte postale, pour favor. De quoi? La carte. Ah, la carte postale. Vas-y, montre-moi. Bien. Marque quoi dessus? J'ai écrit: fils de pute, je suis parti bien loin de toi. Nadine Oumouk, Nadine Bebek. J'ai pas compris la suite, mais... c'est Nero, le message de Nero. Non, Nero, il aurait jamais dit ça. Ça doit être du japonais, certainement, il vient de là-bas, non? Nero, il aurait jamais dit fils de pute. Ah oui, ça veut dire fils de pute. Et il a traité de pute. Non, c'est toi, tu as dit fils de pute. Non, 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 je suis en train de te lire la carte postale, putain, regarde. Oui, mais tu m'as dit qu'il y avait marqué fils de pute, c'est Nero, je suis au parti. Nardinomo, oui, parce qu'en fait, il était en train de me menacer. Parce qu'il m'a dit, j'ai fini. Tu sais, les derniers mots qu'il m'a dit, j'ai fini ce que j'avais à faire. C'est une carte postale ou c'est une carte qui t'a écrite en face de toi? Non, ça, je te disais ce qu'il m'a dit au téléphone avant de partir. Et voilà, tu recommences. Tu es une menteur. J'ai pas un menteur, putain. Je suis habitué. Pourquoi tu me donnes une carte postale qui n'est pas vraie? Au moins, donne-moi une vraie. C'est une vraie carte postale, putain. Oui, une vraie carte postale avec marqué fils de pute. Je suis parti au Japon, Nardino Mouk, Nadine Bebek. Arrête. Eh oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lui qui a écrit, c'est pas moi. Arrête de me prendre pour la con. Ils avaient qu'à pas être là. Que vous voulez, ça vous arrive tous les jours de rentrer dans des véhicules, tout ça? Oui. Ah bon? Oui. Je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Comment allez-vous? Pas bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Le monde est rempli de poutres. À qui le dites-vous? On peut se fier à personne. À qui le dites-vous? Ben à toi, cabron. C'est vrai. Mais qu'elle racontait? Qui? Monsieur Miguel.
Qu'est-ce que vous voulez? On peut se parler. Vous parlez. Vous voulez parler à qui? À vous. Bah, à vous. Mais je suis pas Miguel raconté, moi. Vous êtes qui, monsieur, alors? Je suis Michael Garoté. Michael. Garoté. Ok. Bizarrement, j'ai déjà vu monsieur Miguel Raconte avec ce même véhicule. Vous l'avez pris ou quoi? Vous le connaissez? C'est votre ami? C'est pas vrai, c'est le véhicule à Michel Vapoté. Vous confondez tout, vous êtes une cabronne. C'est vrai, sauf que monsieur Michel Vapoté, c'est Miguel Raconte. Qui vous a dit ça? Quelqu'un. Qui est décédé d'ailleurs. Un très bon ami à lui. Sandro? Ouais. Vous le connaissez? Normal, je suis son capitaine. Enfin, j'étais son capitaine. Venez. Oh, tranquille, alors qu'il y a une prostituée à gauche. Ah merde, ça se casse pas. J'ai un problème. Ok. Après 25, c'est qui le prochain? Le commandant ou le troisième homme qui était, hein? Le commandant, il est actuellement à l'hôpital, il s'est pris une balle. Oui, c'est moi. C'est vous qui l'avez mis une balle? Oui. Le raisin. C'était un quiproquo. Il voulait pas le viser à lui. Vous voulez viser qui en particulier alors? Il y avait des chicos qui voulaient me tuer. Je me suis caché sur un toit, j'ai entendu des bruits d'échelle. Et il est tiré, mais il ne savait pas. Il y a du monde à côté. Hein. Il a appelé le commandant, il lui a dit pardon, il lui a dit que c'était moi. Je dois le voir après, pour m'excuser. Ok. Dites-moi, je vous ai vu hier, devant le commissariat. On parlait avec un certain Ricky. Vous avez l'air de le connaître? Non. Non? Parce que lui, il m'a dit qu'il vous connaissait. Oh, du coup, vous le connaissez ou pas, du coup? Pourquoi? Pour savoir. J'aimerais le connaître. Et vu que vous avez l'air de le connaître, ça peut être utile. Qu'est-ce que vous vous attendez de moi? Allez au but! Vous m'énervez, là. Non, le but c'est de savoir comment vous le connaissez, monsieur Ricky Big Balls. Tout le monde le connaît. Tout le monde. Parce qu'on en parle beaucoup. Beaucoup disent le connaître, beaucoup ne le connaissent pas. Le problème c'est que vous avez l'air de le connaître. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu entre vous, ça a pas l'air d'être des grands amis entre vous. C'est pas la grande amitié là. Qui a tué Sandro? C'est ce que j'aimerais bien savoir aussi. C'est ce qu'on cherche aussi. Sandro, il le savait. Il m'a dit qu'il avait une prime sur la tête. Il m'a dit aussi qu'il y avait un groupe qui avait le contrat. Et qui a mis ce contrat? C'est ce qu'on cherche. Sandro, il me manque, frère. Des grandes pistes. C'est quoi vos pistes? Le contrat, c'était les balas. Je vais t'envoyer un message. Mais ça, on vous l'a déjà dit. Les balas, ils ont reçu le contrat, mais qui l'a envoyé? Quelqu'un de plus haut apparemment, de très haut. Vous connaissez quelqu'un de beaucoup plus haut? Il y a des bars. Qui fait travailler les gangs en ville? Taber. Parce que tous ils disent qu'ils travaillent pour quelqu'un de haut. C'est ta mère. Ma mère n'est pas là, malheureusement, elle est déjà morte. Oui, bah elle fait travailler de l'au-delà, Capron. Tu crois que tu vas venir avec ta voix grave, tu vas m'adoucir, tu vas me manipuler? Pas du tout, le problème c'est que j'ai un commandant qui est sur un lit d'hôpital. Tu es un incapable, Sandro, tu as pas réussi à le sauver, jodé Capron de merde. Et tu fais genre, c'était ton amigo, hein? C'était un très bon ami à moi, ouais. Et pas qu'à moi d'ailleurs. Et alors pourquoi tu l'as pas sauvé? On a tout fait pour le sauver, mais lui il a préféré aller avec les Autrichiens. Il disait que les Autrichiens allaient l'aider et sauver, qu'ils étaient mieux armés et qu'ils pouvaient l'aider.
Regarde, il était avec les Autrichiens. Faites les baisses basses. Non, non, du tout. Tu peux parler aussi. Tu peux lui dire. Tu connais, je sais pas si tu connais. Ok, donc quand 25 Sandro s'est fait kidnapper le soir où là, il y avait l'attaque des Russes, d'accord ? Il s'est fait prendre en otage. Un certain autocoche. Mais dans Miami Vice ou quoi là ? C'est quoi cette tenue là de camarade ? J'étais en civil, il m'a récupéré route. En civil, tu te balades comme ça ? Ouais. Il n'était plus en service là. D'accord. On parlait de quelque chose, c'est tout. Donc, donc on parle de moi ou on parle. Vas-y, vas-y. Donc, quand autocoche nous a donné la position de la potentielle position de 25, on est arrivé sur les lieux avec le SWAT. Et quand on l'a récupéré, parce qu'on a fait une intervention et qu'ils ont réussi à repartir sur 25, dans le blindé du SWAT, il a parlé d'un certain Gordon qui était démasqué et on n'a pas plus d'infos. Alors ? Donc si vous connaîtrez un Gordon... Si vous connaîtrez... Si vous connaîtrez, hein... Ouais, c'est pas très américain ça, mais bon... Ouais, il connaît pas Gordon, mais il connaît ta mère la pute aussi, il la connaît très bien. Mais tu connais Tata Cathy ? Laisse-moi deviner, elle est morte elle aussi, hein ? Non, elle est pas morte. Mais pourquoi vous êtes agressif comme ça ? Pourquoi vous êtes des poyos ? Avec vous, gentiment. Et alors ? Ça change quoi ? Vous êtes des... Des merdes qui n'avaient pas réussi à sauver Sandro, vous faites pas votre travail, vous êtes des incapables. Ça ne va à rien. Poussez-vous, il va vous écraser. Attention, attention. Mais non, mais... Attends, aïe. Sa mère. Dites au commandant de m'appeler. Depuis petit, on fascine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les coups.